Salut à tous, c'est Psymusis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo, notre première vidéo sur le jeu Homecy 2. Donc, je suis assez excité de faire cette première vidéo sur le jeu Homecy 2. Donc, notre dernière vidéo remonte à quand elle remonte à sur Forza Horizon 5. Notre première vidéo sur Forza Horizon 5, où on parlait un peu, enfin, je parlais par exemple un peu de tout. Et de rien. Donc aujourd'hui on se retrouve sur Homecy 2 sur la map Grand Paris Moulon du DLC Grand Paris Moulon. On est avec le Man New Lion City, un DLC payant aussi. Voilà, Man New City 100% biométhane, donc c'est un mode, donc le mode du bloc CNG. Les roues aussi sont un mode. La livrée aussi n'est pas inclue, enfin cette livrée c'est un mode aussi. Et je fonctionne avec les modes de Citarophane. Donc tous les liens seront bien sûr en description. Et j'ai le mode, enfin le DLC Oxy. Oxy. Donc bon, Oxy, vous le voyez pas vous affiché, mais moi je vois. Mais je vous ferai peut-être une vidéo présentation de ce DLC super intéressant. Et franchement, qui vaut le coup. Plein de manies, plein de possibilités. Moi j'ai pris un service. Aujourd'hui, on va faire la ligne 14, donc vous avez vu le siège abaissé parce que c'est comme ça que de base je l'ai réglé, enfin que je l'ai réglé moi, plus bas parce que je trouve trop haut. Donc comme j'ai dit, Man New Lion City, véhicule CNG, donc biométhane. Donc aujourd'hui on va faire donc la ligne 14. Voilà, ligne 14, donc de Orsay-Villegas à EDF Campus Paris-Moulon, on part à 7h39, c'est-à-dire dans 4 minutes. Donc on va démarrer un petit peu tout. Donc je vais vous montrer l'intérieur une fois qu'on aura démarré. Voilà. Alors, je prends ma feuille avec moi pour le service. Donc c'est parti. Les feux de croisement, parce que j'aime bien moi les activer, les feux de croisement. Les lumières bleues pour les passagers. Il fait combien dans le bus? 16. On va mettre le chauffage. Oscillage, hop, 22 degrés, ça va être pour moi. Voilà. Auto. On va faire ça. J'ai juste réglé ça. Start. Alors. Ah, et oui, la joie d'Homecy 2, quelques petits lags. 43, merde, c'est 43, 21. La ligne, on a dit, la ligne 14, route 01, je pense, c'est ça. Si je me trompe pas. 14, EDF, et parfait. Et j'ai aussi installé le K++ PC pour le MAN. Normalement, je me suis pas trompé. Voilà, 14. Voilà, on va démarrer. Parce que je bloque tout le monde. On peut enlever ça. Parfait. Vous voyez sur la porte, voilà, il y a quelques petits descriptifs. Pardon, c'est la version 4 portes et avec le mode Citarophane, donc c'est une version ZF. Voilà, petite lumière bleue, très sympa. Ça fonctionne, parfait. Je me suis pas trompé là. Ouais, non, c'est bon, non, je suis pas trompé. Ok. Hop. Alors, je pense que le volant est peut-être un petit peu mal mis. Alors, on va le. Pas mal mis, mais. Voilà. Un peu plus vers nous. Et en attendant, je vais couper ça. Parce que le temps que le moteur chauffe. Ici, on n'a rien activé. On va pouvoir démarrer. J'ai enlevé le menu, moi. D. Qu'est-ce qui se passe? Ça lag? Parfait. Allez, c'est parti. Moi, j'espère que vous entendez bien le son. J'espère que vous entendez bien le son. Attendez, j'ai juste. Ça me perturbe. Voilà. Je pars dans 2 minutes. Alors, faut peut-être mieux que j'y aille en fait. Hein. Qu'est-ce qu'il attend, le collègue? Ah, ben super, il est rentré dans le rétro. Allez, c'est parti. Non, j'essaie toujours d'avoir une conduite assez réaliste. Voilà, hop, on regarde pas.
J'essaie toujours d'avoir une conduite très réaliste. Enfin, très. Enfin, pas exagéré, mais une conduite assez réaliste quand même. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, je pense que sur. Allez, ça, un lag. Sur Homsi 2, je pense qu'on va. Toujours le lag au même endroit. Tout le temps. Je pense que sur Homsi 2, on va faire pour commencer du. Sur GPM. Voilà. On va commencer sur GPM. Qu'est-ce qu'il nous fait, lui? Là, le clignotant à droite pour aller à gauche. Eh ben, c'est intéressant. J'espère qu'il fait pas muni. Il va me bloquer aussi, non? C'est moi le 14. Et vous voyez, donc les sons, c'est pas les portes électriques. Bonjour monsieur. Bonjour. 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 Donc on est quelle heure? 7h39, donc c'est l'heure de pointe. Hein. Ah, le collègue il fait la ligne 14. Pourtant il me semblait avoir, je sais pas, c'est bizarre. Bonjour. 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 Ah, j'ai oublié d'activer la ticketterie. Bon, c'est pas grave. J'ai oublié. Bonjour. On va avancer un peu. Ouais, j'ai oublié d'activer la ticketterie. Eh ben, c'est pas grave. Bonjour. 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 Bonjour monsieur. Bonjour. Hop là. Que des connes. Des bêtises. Bonjour. Ok, ça et ça. Bon. Donc, on va commencer sur GPM. Donc, on va faire la ligne 14. Je pense que la prochaine vidéo, ce sera sur la ligne 7. Sur la ligne 7. Et après, je verrai sur quelle autre ligne je fais. Allez, c'est parti. Il est l'heure. Allez, bon, il n'y a pas l'air d'avoir. Si, ça a l'air d'avoir du monde quand même. Bon. J'ai pris un bus articulé parce qu'ils disent que, bah, comme vous avez vu, les IA sont en articulé. Et puis, sur le manuel, il y a marqué. Ah, j'ai cru, j'ai cru. Je suis un chauffeur sympa, hein, parce que c'est qu'il y en a qui auraient. Allez, l'IA. Oups, le trottoir. Il y en a qui auraient. Voilà. Quand je dis une conduite assez réaliste, c'est que j'évite de me prendre des trottoirs. Voilà, je viens de me le prendre. Mais j'évite de. Voilà, je me mets bien contre le trottoir quand. Quand les gens veulent descendre. Et voilà quoi. Par contre, j'ai une conduite assez sportive. Hein, donc. C'est bizarre, l'arrêt demandé a pas fait de ding. Bon. C'est pour m'embêter. Ouais, c'est quand tu veux. Hein. Parce que j'ai modifié un son du bus, c'est que ça fasse ding quand il y a un arrêt. C'est la cloche qui sonne. Hop là. Hop là. Voilà. Vous voyez, bien collé contre le trottoir. Ça, je vais pouvoir le désactiver. L'activer. Ah ben, je suis monté sur le trottoir. Ah ben, mon vieux, tout pour me contredire. C'est rigolo. Tout pour me contredire. D'ailleurs, il est un peu 7h du matin, donc. Ah voilà. Donc, comme vous venez d'entendre, j'ai installé. Enfin, je me suis modé le son de la cloche moi-même. Donc, c'est facile. Hein, j'ai pris un Winbus, il y avait ce son. Et après, il faut retrouver le fichier dans le bus. Où il y a marqué Request, ou je sais plus comment c'est marqué. C'est marqué en anglais ou en allemand, je m'en souviens plus. Putain. Voilà le problème des IA d'Homsi 2, vous voyez? Ouais, il te fonce dedans alors que t'es là et t'attends plus que tourner. Mais bon, heureusement que dans la réalité, c'est pas comme ça. Allez, on y va. Parce que c'est que j'ai un peu de retard. Il n'y a pas d'annonce vocale, c'est génial. Il n'y a pas d'annonce vocale. Ah mince. Pardon.
Pourquoi il n'y a pas d'annonce vocale? Bon, et bah écoutez, il n'y a pas d'annonce vocale. Eh ben c'est pas grave, c'est bizarre d'ailleurs. C'est bizarre. Alors justement, grâce au mode Doxy, je peux activer les annonces vocales quand ça fonctionne pas. Moi je pense que j'avais pas besoin de prendre articulé, mais bon. Voilà, bon, ce que vous avez vu écrit sur le tableau bord qu'on aurait demandé, c'est ça qu'il faut chercher sur le... Sur le... Mince! Hop là! Et voilà, je viens de faire une connerie. N'importe quoi. Ouais, c'est parce que j'étais en train de regarder le truc. Donc, excusez-moi. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, ce que vous avez vu marqué là, c'est ce qu'il faut chercher dans le fichier et vous remplacer pour le son que vous voulez pour l'arrêt demandé. Et ça fonctionne. Après c'est à vous, voilà, je peux pas le faire. Je pense que j'ai pas le droit, enfin j'ai pas le droit hein, de modifier le bus sans prévenir le créateur et de vous le fournir à vous. Donc là je vous invite si vous voulez changer quelques sons de le faire. Voilà quoi. Oui, Schumacher, ouais. J'ai du retard, madame. Salut collègue. Allez à droite. Ouais, mais il n'y avait pas eu besoin d'articuler. Hein. Eh ben, mon vieux, si j'avais su. Allez, on va bien le prendre là quand même. On va essayer de le bien le prendre. Ça va être compliqué en articulé. C'est une ligne un peu serrée quand même. Ouais, je suis obligé là. Voilà, c'est une ligne serrée quand même. Après, écoutez. Il y avait des collègues en articulé, d'autres en simple, écoutez. C'est une collègue. Après, je sais pas si c'était la ligne 7 ou la ligne 14 qui était en articulé. J'ai le doute maintenant. Mais elle peut être en articulé, j'ai déjà vu en articulé, donc... Il me semble. C'est compliqué de se garer. Bonjour. Bonjour. Touk-touk, c'est petit. Allez. Ouais, je sais pas pourquoi, j'aurais pas dû prendre l'articulé. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Hop là, nickel. J'ai eu peur, hein, quand même. Donc je sais pas, donc je vais vous le dire, donc Man c'est ma marque préférée, voilà, c'est ma marque favori en termes de bus et yes, et en termes de bus et de camion, Man c'est ma marque préférée, je suis Team Man, donc vous me verrez souvent avec des Man, donc voilà, donc bon, après peut-être que pour le prochain épisode je vais peut-être faire la ligne, je sais plus comment elle s'appelle, la ligne 17, je crois que ça s'appelle la ligne 17. Et la ligne 17, il me semble bien que la ligne 17. Allez! Que la ligne 17. Est-ce qu'on. Ouais, quand Paris-Moulins, c'est une map assez gourmande. Hein. Je ferai la ligne 17, je pense, en prochain épisode. Et je pense que. Je crois que c'est une ligne un peu champêtre. Je m'en souviens plus. Eh ben, je la ferai en Irisibus Citelis, je pense. Voilà. Pourquoi pas un vieux bus? Alors nous on va où nous déjà? Ouais c'est ça, on va à campus. Bon, allez, le temps qu'il se décide. Alors que mes lignes préférées sur cette map, j'aime beaucoup les lignes 14.
Mais après, c'est une ligne assez courte, hein. On est à 15 minutes de vidéo. Mais ma ligne préférée, c'est à 14h06. Et voilà. Donc. Ah, j'avais pas appuyé sur le bouton. Pardon. Je crois que c'est en 48 images secondes. De toute façon, le jeu 60 images secondes, c'est un peu rare. Ou alors c'est vraiment que si tous les graphismes sont baissés. Hop, voilà. Ouais, c'est une ligne assez sympa. Après, je sais qu'on tourne à droite. Voilà, je l'ai. Hop là, le petit feu rouge, on n'a rien vu. Après, je préfère faire ce que je fais parce que je sais qu'il n'y a personne que piler. Parce que dans la vraie vie, ça serait. Je sais pas ce qu'un chauffeur devrait faire. Mais piler, c'est dangereux, surtout quand vous avez des gens debout, peuvent se retrouver vite sur votre pare-brise. Donc. Faut penser à ça aussi que piler. Moi, j'ai déjà vu des chauffeurs dans la réalité. Hein. Le truc qui passait orange, bah, c'est le temps que t'arrives, il passe. Bah, tu passes. Hein. Enfin, il me semble que c'est déjà arrivé. Et tu passes et en fait il est orange. Voilà. Écoute-moi, il était un peu orange bien mûr, hein. Presque rouge. Qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. J'avais pas pilé, j'avais pas envie de piler. Ça m'intéressait pas. Puis c'est dangereux. Bref. Après, ça. Après, je reprends aussi Homicide 2, hein, donc ça faisait un moment que j'ai pas y joué. Parce que ça faisait un moment que j'avais pas remis le volant. Donc je me suis un peu déshabitué au volant là, donc enfin au volant, pas au volant mais à jouer quoi, donc c'est un peu dur, ouais c'est un peu dur, alors faut prendre bien large là et puis tourner d'un seul coup, je vais me donner un coup dans le casque, hop hop, oui c'est bon, ça passe parfait. Après voilà, comme je vous ai dit, des fois je peux être très fort sur les passages étroits comme là. Et des fois faire comme si je faisais exprès quoi. Hop. Ah punaise. Deux fois que ça m'arrive. Hein. C'est pas possible ça. Voilà. Là quand même, faut pas exagérer là. Le petit frein d'arrêt. Hop là. Hyper pratique ça. Il se met en start and stop quand le feu passe au vert. Allez voilà, on est déjà au terminus, le masque a pas l'annonce vocale, bon tant pis, les annonces vocales je veux dire, j'ai oublié d'activer sur le mode, enfin sur le DLC là Oxy. Parce que j'ai pas pensé. Allez, tout est ok. Parfait. Au revoir. Bon, on va laisser tout ouvert. Oui, c'est bon dans le bus. Bon ben voilà, donc c'est une vidéo qui aura duré 20 minutes, mais bon, écoutez, ça suffit, hein. Bah, moi qu'on se fasse un petit retour, mais j'ai pas trop envie. Enfin, c'est pas que j'ai pas trop envie, c'est que ça fera une vidéo trop longue après. Et voilà quoi. Bon, j'aurais pu l'articuler pour rien. Et il me semblait que en articulé il y avait besoin, mais ce soit la ligne 7. De toute façon, ces lignes, j'avais déjà dit que je prenais plus les articulés. Parce que ça sert à rien. Ils le disent qu'on peut le prendre, mais. Enfin, en heure de pointe surtout. Mais ça sert à rien. Strictement à rien. Bah bon. Ça, c'est mon avis personnel, ça. Rien de mettre clignotant, il n'y a personne, il n'y a que moi. Et voilà. Alors, ça, j'ai désactivé avant que lui. Hop. Toc. Hop, on ouvre ça et on peut couper le moteur. Et voilà. Et ben voilà, c'est la fin de la vidéo. Ah, ça c'est bien venu. Parce que c'est quoi notre service? Bref. Pas trop envie. Bon, ben voilà, c'est la fin de notre. De la vidéo et la fin du service sur la ligne. Ah, ben voilà, il s'est mis en. Voilà, je m'étais dit c'est pas mis en F4. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc sur la ligne 4,
14 en direction de EDF Campus Paris-Moulon. Enfin, EDF Campus, quoi. Voilà, nous sommes en 100 voyageurs. Et donc, voilà. Voilà. Pour la fin de la vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et à vous abonner si le contenu vous plaît. Et on se dit à la prochaine. Allez, ciao, bye bye!